Tshisekedi a dépêché émissaire naé na niveau à CPI boy émissaire wana a ke kolobani tolo baté boy émissaire wana lobi na niveau à CPI boy ba terme utilisé pour comprendre pourquoi na kan ya Kabila agitation bande ko salim oh tout ba organisation non soit CPI boyoka porte par la facture lobi ni Kabila bilia ke bikoki bande ko on a moni agitation qui est au niveau ya FCC. Joseph Kabila bientôt devant la CPI. Après Bernabé Kikaya bin Karibo après l'un des proches collaborateurs de Kabila. Proche collaborateur de Kabila. C'est Obé Minaku. Ah ngai mukilo yo. Tolo bate mukilo yo politique ya Congo yo. Bino na yo. Bande comment est-ce que maman comment comprendre Kabila l'ordre y a CP comme quoi et non tu as bien audio bande quoi pour ressentir que non pour n'avoir aussi ce Kabila bakangé bon tout bon rejoindre Kabila parce que bah crime au Kabila commettre d'abord les 5 wana pile ne bah wana au bah ruiné beaucoup pendant près 18 ans je vais jouer Kabila devant une possible arrestation. Bakongolo Kabila boye pendant plus de 18 ans. Au matin la balabala réclamer l'ipe menti, bana mo bangwana tiré pour tuer. Ba rositi manga le comme que non. L'arrestatoire de Joseph Kabila et son transfert à la CPI. La Cour pénale internationale. Ba réunir zo kota tiske zo kotaka. Ba minan ko ba sentir. Ce sont des politiques. Mabou n'est pas qui m'a dit, dès que c'est fini, accueilli. Dès que c'est fini, on s'est fait sonner, accueilli. Ah, n'aïe. Et là, on a eu des gens qui ont été souka. Même Bible est banni dans Genèse, dans l'Apocalypse. Que là c'est pas une maternelle qui la doctorat sur une numéro ni on s'en sort pas c'est pas des peines à souk monta botta maca monta koufak et là comme on dit que la internelle est alte monta ça internelle qui a eu mogo tata nzambi oh ne na biba il est le même hier aujourd'hui t'es à gaier mogo et ça uniquement pour naier mogo mais monta ni on se ouais ça mukilo à tirer éternellement et ça na bar régime le cana. Et le connaît ce n'est pas des peines à souk à bandico. Bonjour, bonsoir, na balandino sur la face céleste. Mbote nabino, mbote bozali, ebele, partout dans le monde. Vous aurez l'andabiso par la 20 internet ou en niveau États-Unis. Namoni, Maurice Kianga, moi na kasafoubou ben aimé na pessi mbote, iskazali. Principalement dans Kentucky, Eska mon prophète Abotama, dans Pambo Eska Zali, dans Suisse, maman Konde Chute à la mère des opprimés, dans Belgique, maman Lede Charlotte Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, dans Moni, docteur Emery, dans Évangéliste Moussambaye, sans oublier en République démocratique du Congo, Ezaline de Konabino, Moïse Mao Kantibal, Nemiso Bolingaka. Tolo bate, autosalaka décryptage ya actualité politique. Merci Soumini, merci Nandeko John Maboke Bende, Eskazali na PCE. Mbote Eskazali Nandeko, Avin Bernetto ba toujours. Lola ezo futa sima tokoloba, Nzambe ya botokozwa ewapi. Pesu. Mes condoléances à la famille collective qui a été en parlement debout pour aider des pèses ou à perdre un baoba, le vieux piton Jacob Kabia, ou à Zala qui vise beaucoup de messes et à commune en Sélé. Famille de Mouesca Borolanda, à part à tout le bâté, la pèse, la famille à aider des pèses, la famille collective qui a été prise à parlement debout. Mes condoléances, mon lit, mon aïe, mon akimia, dans une minute de silence pour na piton. Jacob B. Merci. Directement, tu continues à siger dans le bisou ou soit dans le thème autour de l'imbo de l'imbo awa. Tu sais que dit à dépêcher émissaire naé dans le niveau à CPI. Bon, émissaire wana à quel colobani. Tolo bate. Bon, émissaire wana lobby dans le niveau à CPI. Bon, ba terme utilisé pour comprendre pourquoi nan kan ya Kabila agitation bande ko salim.
boyeba ano balase bino odebo landa waza lopoto toko limbo la bino boyeba awa emissaire kombo na enani Taylor Lubanga. Taylor Lubanga azaki la envoyé spécial ya Tshisekedi na niva CPR azaki parole na emissaire o tuba organisation non so CPR baboka porte par la facha lobini Kabila bilake bikoki bandeko yona momoni Bernabé azaki ajiste d'abord toba na mama Bernabé boyeba pourquoi Bernabé azaki ajiste zonga so balance no audio na bolanda comme si to continue a to basu makametalia rencontre Tshisekedi Bemba Katumbi na makametalia union sa game to na première session na biso awa boyeba l'envoi spécial Tshisekedi ezaki nani na so Taylor Lubanga azoi parole parole bagi nini no bala balance no audio bo na d'abord awa agitation qui est au niveau ya FCC. Joseph Kabila bientôt devant la CPI. Après Bernabé Kikaya bin Karibo après l'un des proches collaborateurs de Kabila. Proches collaborateurs de Kabila. C'est Obé Minaku. Ah ngai mukilo yo. Dans le bateau to le mukilo yo politique ya Congo yo. Bino na yona non que la mana ba gêne. Ouais pépère de bazo bozo le kana ba média. Bosa ba déclaration mais c'est bien que non banje de l'air autour ça dans actuellement dans Mboka avant de quand tu mita d'abord photo na weba na ke ne kolobani tant zaki e belo ko so ma boya ko côté la cabine tant oyo ba kasi kouto ya pouvoir ba quitter bato a minaku obem na ko mtazolo ba ne ko beska ma ko comprendre Kabila lord order ya CP comme ko ya et non tu la bino audio bandeko bo ressenti que non pona bango ici Landau. Après Ben Karib, l'un des proches collaborateurs de Kabila, entre autres Obé Minaku, ayant lancé une sonnette d'alarme pour appeler les Congolais à sauver Joseph Kabila devant une possible arrestation. Après Bernabé, Bakoti René Bazaki 5, Obé Minaku, Adolphe Luman, Evariste Boshab, Shadar ina nemi baron 5. Baron de ba manatiki Obé Minaku akene ko plaider ka na baron 5 pa Tshisekedi. Parce baron 5 wana ce Kabila bakangé bon tout bon rejoindre Kabila. Parce ba crime o Kabila commettre a commettre en moyenne a commettre na baron les 5 wana. Pile ne ba wana bo o ba ruiner mboko pendant près de 18 ans. Des milliardaires o ba s'enrichir. Landa d'abord Obé Minaku azolo banini bandeko comme si on balance bino audio ya con envoyé spécial tchèque ne va se pays tozonga to continuer na makamitali ya rencontre Katumbi Bemba tolo ba tolo ba te après Benka Barnabé Kakin Barnabé Kikaya bin Karibu l'un des proches collaborateurs de Joseph Kabila ayant lancé une sonnette d'alarme pour appeler les Congolais à sauver Joseph Kabila devant une possible arrestation. Ba Congolo Kabila boye pendant plus de 18 ans. Au matin la balabala réclamer l'ipemati, ba na mo ba ngana tirer pour tuer. Ba rositi manga le comme que non, bozo benga ba Congolais. Voilà nda bandeko, a continuer au Bemina. Cette fois-ci, l'hypothèse s'affirme de plus en plus. Une source d'information s'est enflammée cet après-midi. Dans une conversation téléphonique entre des diplomates français et un journaliste. Ah, ngaye. Et le cognon so ezane banelepe na souka. Même Bible. Et bani na Genèse ti na Apocalypse. Que là c'est bani na maternelle ti na doctorat soi nini bo ni on sonza ma sa ba depe na souk. Muta bota maka muta kufak. Et loko mo ti ka la internet exalté. Muta za internet ka ye moko tata Nzambe. Oyo ne na bibo ba il est le même. Hier aujourd'hui te za ka ye moko. Eza uniquement pour na ye moko. Mais mutu nyonso o azamu kilo yo. Atra éternellement te. Et ça, régime, le régime, le cana, et le connaissent, c'est un ébanépé dans Souka Bandeko. Il y a un bon landa Bandeko. Dans une conversation téléphonique
entre deux diplomates français et un journaliste, on évoque avec insistance la possibilité d'un exil pour Joseph Kabila, qui aurait choisi de s'installer en Russie. Mina quoi ici bango 4. Banamai so ki bino ba koné kolal. Tala munabi so yo ya zo négocier de akinde. Sko biso na ba rapport non so wa. Ba interdit biso to kite gini territoire. Ça sera mieux ya ngoto luka to négocier. Boyo ken nga. Tala so ba ko sa monde ba na mikie. Oh shada kene shada bi ngayo yo ngayo lo ngayo si moto yo na nemi yo mina ko kene ti batinde obe mina ko bola na bandiko du côté du nouveau pouvoir. Une source d'information nous informe que un exil en Russie est très risé car dit-on la Russie est un grand pays stratégique. Laisser Joseph Kabila y aller, c'est prendre un gros risque d'une éventuelle tentative d'un coup d'État. Donc les États-Unis ont évité ce qu'ils dit. Okoki koti ka Kabila kende pays non c'est ce qu'a okende mais sauf Russie. Parce que vous voyez pourquoi Mabunda a tenu Dubaï. Kokene non so yangwana. Hein? To continue ba nebolanda. Des salons hip de la ville haute. Quand on parle des salons hip, c'est un an de Koda Rabino. Des salons hip et Zali, des diplomates en Tshisekedi. Ba na MC non émission to le kanabayaki baza awa. Bernabe on a ba minaku. Baza bato baza ko chuchoter na lito ya tisi ya Kabila Joseph. So comme baza ba biloko boue. C'est que ma beye. Yo compagne, on tozo compagne ma beye Zali. Kabila se sent maintenant en insécurité. Et puis Richard Mouyege, on va l'arrêter. Dieu va convoquer les 5 à on a tribunal ba kangaye. Va qu'on neutralise ba on de 1 à 1. Après Kabila, ce Kabila, après Mounano, l'Ekine Zoé. Chemin Zawana va tout atteindre 2021. Donnez aux abandés, on a le bateau Kangamoutem. Des salons hip de la ville haute. Des rencontres politiques, pour comprendre les enjeux de l'air. Des rencontres politiques s'organisent avec pour thématique étrangère l'arrestation de Kabila. Et continue à niveau international, à niveau national. Parce que Bandeko, beaucoup ont les porte-parole, l'émissaire. L'ange Gabriel Otsiga dans ces pays. Maloba lobi na odia lobidin. Tolo bate. Bandeko toti la bino a beau comprendre. De la ville haute. Des rencontres politiques s'organisent avec pour thématique étrange l'arrestation de Joseph Kabila et son transfert à la CPI, la Cour pénale internationale. Ba réunion zo kota tiske zo kotaka. Ba mina ko ba sentir. Ce sont des politiques. Mabunde na zo ki maduba ko kena kana c'est fini ba kei. Dès que nous avons fait sonner son accueil, il y a d'abord un article qui a été détourné des millions. Nous avons dit que 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 nous avons dit système que nous avons dit 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 que nous mais allez, tu vois, maman, tu vois, qui va voyager, ils ont exil dans Bango forcé. Koube, on a qui bon, je n'y crois pas aux hommes. Il part à Kei, c'est fini. Ce
que yo moto zo le kan na télévision. Est-ce que là les enjeux de l'air? Est-ce que enjeu o eza pena permis na yo le kana? O défendre Kabila bi défendre défendre. O kutu baba tenor ba to ba ba liembo ngunaye. O ba yibi na e ba senti que non ama be ba luka ba ba négocier ba bongisa. Yo zo le kana défendre bandiko. Ah, est-ce qu'on a parlé de l'audio? Audio. On a parlé de l'émissaire. On a combo à Taylor Lubanga. On a envoyé spécial à Fati dans ces pays. A toi qui parole. On a parlé de l'audio. Landango. Comme ça, tu as pour que tu aies été cochité. On a habité. On a été cochité. Attends la minute. On a été temps de faire l'audio. Parfois, tu as été limbo là. Malobolo, comme ça, chité. Présente-moi une minute et belé à audio. Oyo, beau qu'à les porte-parole. Y a chef de l'État. Malobolo bina. Cour pénale internationale. Comme Antiba, le bas avec des preuves. Bande Kobolan. Monsieur le Président, au mouvement président de l'Assemblée des partis. Distingués délégués représentants des États, mesdames et messieurs le juge, madame le procureur, monsieur le greffier, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à cette assemblée des États partis, à l'aimable invitation de monsieur le président, et je voudrais ici l'en remercier vivement de cet honneur. La 19e session de l'Assemblée des États partis qui se tient dans un contexte rendu difficile par la pandémie de la COVID-19 est non seulement une crise difficile depuis la crise des Nations Unies il y a 75 ans, mais également une crise humanitaire et économique. Nous avons perdu des personnes qui nous sont chères et subissons encore des conséquences de cette pandémie à dimension planétaire. Nous sommes cependant tous présents à cette assemblée, comme à d'autres événements multilatéraux récents, qui restent autant d'occasions de nous reconnaître comme communauté internationale et d'échanger sur la marche de notre monde afin de les rendre encore plus meilleurs. Nous devons continuer de faire ce travail nécessaire avec résilience. Il y a plus de 20 années maintenant, cette même communauté internationale, dans un élan sans précédent, a adopté les statuts de Rome de la Cour pénale internationale pour combattre les crimes les plus atroces qui choquent la conscience humaine et portent atteinte à l'humanité tout entière. Cette Cour, notre Cour, véhicule les idéaux de paix, de justice et de solidarité. Ce sont eux qui nous réunissent et qui sont aujourd'hui encore ce que nous réaffirmons malgré les défis rencontrés. La RDC adhère pleinement aux principes et aux valeurs du statut de Rome parce que ces valeurs présentent un idéal précis, la protection de l'humanité. En plus d'avoir ratifié le statut fondateur de la Cour le 10 avril 2002, la RDC a été l'un de mes pays à déférer à la Cour pénale internationale la situation qui règne dans notre pays. C'est ici l'occasion de rappeler que la CPI a rendu son tout premier verdict en 2012. Celui-ci concernait l'affaire Thomas Lubanga, un sujet congolais. Bien d'autres ont depuis été rendus. Il en est ainsi notamment dans les affaires Matien Gondjolo et Germain Katanga. Je voudrais réaffirmer à cette assemblée que la RDC renouvelle son fort attachement au statut de Rome et ne ménagera aucun effort pour soutenir le travail de la Cour pénale internationale et accompagner les initiatives de renforcement de son effectivité et les actions que nous devons collectivement engager pour tendre vers l'universalisation de cette institution. Mesdames et messieurs, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide ne doivent pas rester impunis. L'expérience de la RDC renseigne à suffisance sur les conséquences désastreuses de ces crimes et nos populations civiles en sont le premier témoin. C'est pourquoi j'ai tenu à placer les impératifs de la consolidation de l'état de droit et de lutte contre l'impunité des crimes
problèmes internationaux au cœur de notre système de gouvernance. Notre expérience, notre histoire avec la Cour nous permet de voir également l'ampleur du travail, la coopération et la complémentarité qui sont des piliers du statut de Rome. Il découle de l'idée fondamentale pour la RDC selon laquelle l'impunité, surtout pour les crimes les plus graves, est irréconciliable avec la paix nationale et internationale. Dans cet exercice de ses fonctions, la Cour compte énormément sur la coopération des États, des organisations internationales, de la société civile et de toutes les parties concernées au statut de Rome en vertu des accords particuliers conclus. 9. Permet justement de se matérialiser au travers le transfèrement des accusés, la protection des témoins et pour l'exécution de ces sentences. Les importantes réalisations de la Cour en matière d'enquête et de poursuites. Je pense ici aux enquêtes ouvertes sur les crimes qui auraient été commis en République populaire de Bangladesh et en République d'Union de Myanmar. Je voudrais à ce titre rendre hommage mérité à Madame le procureur Fatou Bensouda pour son leadership et saluer son futur mandat. Les politiques de son bureau adoptées en matière de crimes sexuels et à caractère sexiste qui sont pour la plupart des pays victimes d'une politique fortement salutaire. Il faut également se féliciter du travail du fonds au profit des victimes dans la mise en œuvre des programmes de réparation en faveur des victimes et particulièrement les victimes de la République démocratique du Congo. Il est crucial que les États et les partenaires continuent à se mobiliser pour renforcer la capacité financière et d'action du fonds au profit des victimes. Des efforts importants ont été réalisés par la Cour depuis le commencement de ses activités. Mais il faut ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a encore des défis importants auxquels la Cour doit faire face. Le défi de l'efficacité de la justice pénale internationale face aux enjeux de notre monde appelle avant tout un renouvellement du soutien sans faille à la Cour des États, des organisations internationales, de la société civile et une fois encore de toutes les parties concernées. Ce soutien est fondamental afin de permettre à notre Cour de continuer à accomplir son mandat judiciaire en toute indépendance et en toute impartialité. Mesdames et messieurs, aucune institution humaine n'est parfaite. La justice pénale internationale ne fait pas exception. Cette justice est une œuvre humaine et doit continuer à se parfaire et à se perfectionner pour répondre efficacement aux critiques qui lui sont adressées et aux défis changeants de son cadre d'action. En l'absence des forces de police et des territoires propres, les États doivent continuer à apporter les soutiens nécessaires à la mise en œuvre de son mandat et à l'exécution de ses décisions. Je suis préoccupé pour l'efficacité du rôle de la Cour lorsque j'observe la non-exécution de certains mandats d'arrêt qui risqueraient de perturber les missions de la Cour. C'est une question déjà soulevée et sur laquelle l'Assemblée doit devoir se pencher pour y apporter des remèdes. La coopération est cruciale pour assurer une justice effective et efficace. En parallèle, la Cour doit continuer à dialoguer avec l'Afrique et toutes les parties du monde. Le travail d'explication de son mandat et de ses activités doivent s'intensifier. Une fois de plus, avec le soutien des États et des parties concernées, toutes les forces doivent être combinées dans ce travail pédagogique et crucial. L'actualité récente démontre à l'envi l'importance de porter une information crédible et complète sur la Cour et son rôle face aux messages de manipulation et à confusion entretenus par ses opposants. La Cour doit poursuivre ses efforts en vue d'accorder une place plus centrale aux victimes dans les cadres des procédures qui doivent remplir toutes les garanties d'un procès juste et équitable. Les victimes qui sont au cœur du statut de Rome doivent aussi, autant que possible, pouvoir voir la justice être rendue à la proximité de leur fait, dans leur pays, lorsque les conditions sont réunies. Elles doivent pouvoir assister aux audiences pour que leur histoire soit entendue et que les poursuites soient totalement engagées de manière à permettre que les réparations les plus adéquates leur soient offertes. Les initiatives de la Cour en direction des victimes dans le pays des situations doivent être
être consolidée et conduite de façon complémentaire avec des efforts nationaux en matière de poursuite des crimes internationaux. Je me félicite des résultats obtenus par la justice congolaise qui va continuer ses efforts pour rendre une justice aux victimes qui sont les plus exposées. La décision récemment rendue dans l'affaire Ntabo Mbereki alias Cheka est une illustration de la détermination de la République du Congo à poursuivre les combats contre l'impunité. Je voudrais particulièrement remercier tous les partenaires qui ont apporté une assistance technique à la justice congolaise dans ce procès et dans tant d'autres procédures. Nous en sommes très reconnaissants. Je voudrais particulièrement renouveler mon appel aux partenaires techniques à renforcer leur appui au soutien de notre volonté et de notre élan d'accélération des traitements des cas prioritaires. Mesdames et messieurs, je me réjouis de l'initiative prise par l'Assemblée des États-partis d'entreprendre une réflexion sur la révision du fonctionnement de la Cour. Il faut se féliciter du rapport présenté par les experts indépendants et de l'esprit de l'ouverture des responsables de la Cour. Il s'agit ici de Monsieur le Président, de Madame le Procureur, Monsieur le Greffier, envie d'engager avec les États un dialogue ouvert et constructif pour renforcer et consolider notre institution commune. La Cour est une institution judiciaire jeune et fragile. Cependant, elle s'est démarquée par des décisions et enquêtes qui ont permis, au regard du bilan pénal mondial, de noter une avancée significative dans notre lutte collective de lutte contre l'impunité. Face aux crimes qui continuent de dévaster nos sociétés dans presque toutes les parties du monde, avec les conséquences atroces sur les populations civiles, la Cour pénale, en tant qu'institution complémentaire aux juridictions nationales, est plus que jamais pertinente. Face aux enjeux, nous avons la responsabilité de préserver cette Cour et son intégrité. Son ancrage dans la société internationale est un impératif. Nous devons cela aux générations futures. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ok, merci. Mais Bolandi Awa, émissaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oazaki parole na hémicycle, Oazaki organisé une nouvelle banda pour la Cour pénale internationale. J'espère que Bolandi wana commentaire exacte. Bande kouya est-ce vous comprenez banjé de l'air. Les minaku ba shadari ba comprendre banjé de komi. Alors moi na moi déjà air yango. Oh ba yibisa yibino te boki ou a lobby ou ezali porte parole abi que non la République démocratique du Congo est prêt pour collaborer avec la Cour pénale internationale pour collaborer ba livrer dans tout le baté mon reporter comme elengi ende ba de musu ba reporter comme elengi. J'espère que au hasard pénal on sait ngabino bon dans l'émission à ta deux fois trois fois pour comprendre audio et émission on a répété comme on a Taylor Lubanga a eu parole il y a un Kabila na émission un dictateur hasard don ça va pèser kaye sera sentir loco à ça la nini abimak présent ya Mbemba Katumbi pendant plus de 3 heures. Présence de la République érotique à Niva Kassai. Ensemble national, ils ont un leader équateur ou autant MSC. Sénat, Katangé, autant pas Katumbi, primature dans l'Est, sans faire prévu pour ce travail de Kouib. Informateur, à Ozala Mouta, à Ozala politique, pour ce travail de Dortel de Nimoukek. Mon antibal au Fungama. On ne voit tout l'antibal au Mouta. Je suis là pour me faire un peu de temps. Comme nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons
Isaiah que non tu sais que d'akabwana kabila bakabwana comme monsieur le camusus. Merci de pour la bino. C'était votre humble serviteur Moïse Bon Kantieba Onaki Awa pour balancer les bino. Message y a envoyé ministère à Tchéguer dans le niveau CPI. Tolandé Bissonabino. Bon, s'abonner à la chaîne. Vous priez ma grâce pour la Bissou, vous priez pour la Congo. Nzambi Apambo Labino. Merci Nandeko John, c'est ma caméra. Merci Nandeko Avi Béa. Merci l'équipe Malava Céleste. Tous ont répété tout ça en fin de l'année. Ma contribution à Bino, financière, vous permettez l'équipe à tout le bateau de battre. Et ça a raté Nzambi Apambo, Nzambi Apambo Labino. Vous permettez de fêter à l'aise. Merci. Affaire à suivre. Ciao.